C'est la femme qui est là dehors qui m'attache. Elle me repose seulement. Fascinée. Ce n'est pas la chose qui me dérange. Si elle ne veut pas tuer pas. Ça fait combien de temps que tu as Yaoundé? Peut-être un mois. Je retarde mon père, mais quand mon père est mort alors, dans 1980, il y avait encore 6 ans. Après, quand mon gars est venu au funéraire, il a dit qu'on doit rentrer. J'ai d'abord insisté. Je ne voulais pas. Après une expérience, la fille quatre ans. Et puis le 7 ans, 1986. J'ai échoué à l'école mentale. Je faisais l'école mentale quand il était là. Après, il a dit, 7 ans, 88, il a dit qu'il doit me faire la pension. J'ai dit que bon, je dois aller me déposer sur mon affaire. Il a dit non. Comme ça, c'est arrêté à la musique, qu'il va apprendre la mécanique. Je suis parti, ma tante m'a donné l'argent. Il y avait le cas, ce qu'on voyait. On a déposé là-bas, en volé. T'as 18 ans, comme ça, là. Je t'ai acheté pour aller là-bas étudier. Ma grande soeur est restée à étudier. Là, j'avais déjà trouvé qu'elle avait de musique. Il ne lui restait plus qu'à rejoindre ces milliers d'enfants qui, livrés à eux-mêmes, doivent faire face aux difficultés de la ville. C'est qu'il faut travailler dur pour vivre. Aller à l'école n'est pas à la portée de tous. Ici, les enfants doivent prendre en main leur destin et parfois même celui de leurs frères. Il y a une semaine, on a fait mon Dieu. Il y avait des gars là-bas. On m'a appelé, il y a deux qui se levaient cela. On m'a dit qu'on va donner à la santé cinéma. J'ai dit, il y avait l'argent dans le cahier, le donne. Je lui ai donné 500. Il y avait une femme là-bas qui disait que je travaillais chez elle, je lavais les assiettes. De là, elle me payait quand elle finissait de laver 500. Et puis, ce qui était là, je suis parti au marché, j'ai fait le porter là-bas. Après, les gars qui viennent de là, c'est le jeune de compas. On vient ça là-bas. Moi, c'est ici, vous n'avez. Pourquoi tu économises pas pour un projet de les gens qui travaillent, on ne peut pas rester à ça, quoi. Les dépenses. Tu gagnes combien à peu près par jour? C'est là, la gare. Souvent, quand il y a beaucoup de gens qui travaillent 1000 francs, beaucoup, c'est 8000 francs. Il y a les grands à là-bas, ils ont mis pour faire un travail. Souvent, quand moi j'ai beaucoup d'argent, dès qu'il est venu, il ne doit pas l'arracher. Il y a aussi le policier, il nous demande l'argent de la bière. Comment tu fais pour manger quand tu n'as pas d'argent? Il y a mes amis là, on mange 16 ans, on mange ensemble. Vu que nous ne sommes pas là, c'est comme ça. Tu dors où? Souvent, on dort à la salle de temps. Quand les personnes sont là-bas, il y a un gardien là-bas, tout le monde en montant la boulangerie là. Par là-bas, on lui donne l'argent, il les donne. Parmi les attractions de la ville, il y a le cinéma que bien souvent ils ne peuvent s'offrir. Alors, ils vont chez des particuliers qui, pour une certaine somme, organisent illégalement des séances vidéo. Moi, souvent, les films chinois, les films indiens, les films de guerre, les films
pour nous. Qu'est-ce que tu penses des bonheurs? Elle a du sud. Tu l'as dit? Elle dit qu'elle a du sud. Elle doit rentrer chez elle. Et tu n'es jamais allé chez une bonheur? Oui. Tu es déjà parti ou bien tu n'es pas encore parti? Je suis pas encore parti. Tu connais des amis qui sont partis? Mm-hmm. Ils payent combien? 500. Comme il y avait le temps de quelqu'un, tu veux me border une pâte, le temps de quelqu'un me pâte. Adilanga Mounassé, Noa Seko, Noa Sisia, Noa Moto. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent, que tu peux prendre, que ça prendre comment? Voler. Non. Ça m'arrête, je viens de la prison. Tu as peur d'aller en prison? Mm-hmm. Tu as entendu parler des histoires de la prison? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce qu'en prison, oh, tu restes là. Tu ne peux pas aller dehors. Tu ne peux pas aller dehors. C'est là. La cellule d'avant, ça m'a menacé. Parce que si l'état sécurité, c'est ça qui nous a signé. Mais pas ça avant. Avant, j'ai eu ça. Tout le monde ici. On me dirait, j'étais là-bas en ville et puis je suis revenu. Il y avait un gars là-bas qui avait la radio, le casino. Il a le cafetière là-bas, il a mis ça. On a commencé à rester là, on a commencé à danser. Après, les policiers sont venus. J'étais quand ils ont fini, moi, on ne sait pas, ils sont venus, ils nous ont arrêtés. Nous avons mis comme ça là. On a dit qu'on a demandé chez ça, on a mis une photo en bas du pied. On nous a mis en cellule. On reste là. Et puis nous, on dit qu'on va nous laisser mardi. On demande, on ne veut pas. On ne veut pas dormir. On est là-bas. On connaît pas ta voix que de nous. Après, Mardi est venu. Ils ont parlé, ça m'a commencé à crier là-dedans. Mais crier. La nuit, jusqu'à 18 ans. Quand on nous a parlé de ça, on est resté tranquille. Après, Mickey est allé le matin. Tu es venu comme au soleil. Ils nous ont laissé. Mickey dit. On a fait 4 jours là-bas à la cellule. Vous avez mangé quoi? C'est un gars qui payait le pain à un moment donné. Mais il n'est pas là-bas beaucoup. Depuis que tu es donc en ville, là, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mal que ça ne sonne pas bien. Il faut rentrer. Voilà. C'est pas la chose qui me dérange. C'est le patron pas. Up and down every day.